Ah bon, moi, pour moi, il y a pénalty, mais. À vitesse réelle. Pas pour moi. Non. Geste non maîtrisé. À vitesse réelle, c'est vrai que je l'aurais peut-être pas sifflé. Oui. Mais quand on revoit la faute, effectivement, pour moi, il y a pénalty. Mmh. Elle vient contrer le ballon et le geste n'est pas maîtrisé. On voit d'ailleurs la trace sur la cuisse de Marion Torrent. Mmh. C'est plutôt bénéfique pour l'équipe de France parce que ça a été compliqué quand même dans la réalisation du dernier geste. Qu'est-ce qui peut être encore amélioré là, quand tu vois le match de ce soir ? Moi, c'est surtout l'efficacité offensive. Je trouve que dans l'utilisation du ballon, ça manque parfois de variété dans le jeu. C'est assez stéréotypé. Des courses qui ne sont pas combinées. Et puis, pour dire sur les cas individuels, je suis... c'est pas déçu. Je pense notamment à Eugénie Le Sommer, qui est quand même la joueuse d'expérience de cette équipe. Elle n'est pas encore arrivée à son niveau, donc c'est que le deuxième match. Elle revient aussi de blessure. Mais ce côté gauche, qui est d'habitude un côté fort du côté de l'Olympique Lyonnais, avec cette combinaison avec Majerie et Le Sommer, on le retrouve pas forcément ce soir. C'est Eugénie Le Sommer a tendance à trop rentrer. À trop rentrer, sans, ça surprend moins l'adversaire. Ils ont un petit peu étudié tout ça. Donc c'est ça, un petit peu cette... Est-ce qu'elle est compatible avec Gauvin, en fait ? C'est peut-être ça la question. C'est peut-être la question, mais ça avait été plutôt concluant dans les matchs de préparation, cette attaque. Donc je reste persuadée que ça peut être une bonne formule. De toute façon, en attaquant deux pointes, il n'y a pas non plus beaucoup de choix. À part peut-être mettre Eugénie Le Sommer aussi en point de cette attaque. Elle n'était pas blessée, Majerie Elle a été blessée, elle a eu des douleurs aux adducteurs, aux ischio-jambiers. Donc une préparation un petit peu perturbée après la finale de Ligue des Champions. Donc c'est pour ça aussi qu'elle elle avait eu du mal à finir le premier match, à manquer un petit peu de rythme. Okay. Et ça se voit un petit peu. Alors là, elle monte en puissance, je l'ai trouvée quand même un peu mieux sur ce match, mais elle peut faire beaucoup mieux.